Lors du match France-Namibie, Antoine Dupont, le talentueux joueur à la tête de l'équipe de France, toujours très discret sur sa vie privée, a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique. Depuis, un débat fait rage sur les réseaux sociaux. Était-il judicieux de le faire jouer? N'aurait-il pas mieux valu qu'il s'économise pour les matchs à venir? N'y tenant plus, le grand passionné de rugby qu'est Mathieu Lartaud, qui a réussi l'impossible en revenant à temps pour commenter les matchs de cette 10e Coupe du Monde, a fini par publier un message sur son compte Twitter pour remettre les pendules à l'heure. Dans sa publication, le journaliste sportif, qui peut toujours compter sur le soutien de son épouse, a tenu à rappeler que les accidents de jeu font partie des aléas de ce sport, et que le rôle des joueurs est de « jouer ». J'en peux plus des, fallait le sortir à la mi-temps. Fallait peut-être lui faire jouer que la finale aussi. C'est du rugby. Un accident de jeu comme hier, ça arrive malheureusement. Témoignage de son énervement manifeste, l'emploi des majuscules et des points d'exclamation exprime sa frustration devant un débat qu'il juge aussi inapproprié que stérile. C'est inhérent à ce sport. En réponse à un internaute qui exprimait son désaccord, Mathieu Lartaud, qui avait été très ému par l'hommage que lui a rendu Fabien Galthié le soir du match fatidique, a enfoncé le clou. Les IRL, notes de la rédaction, irlandais, et les Sud-AF, notes de la rédaction, sud-africains, jouent avec leurs meilleurs joueurs depuis le début de la CM. Au risque d'en laisser sur le bord de la route, car c'est inhérent à ce sport. En parallèle, le commentateur sportif a disputé l'idée qu'Antoine Dupont nécessitait une opération pour consolider sa pommette, information qui a finalement été confirmée par la Fédération française de rugby vendredi 22 septembre soir. Le capitaine du 15 de France, dont l'opération s'est bien passée, devrait revenir sur le terrain dans quelques jours. En attendant, il a tenu à rassurer ses fans sur son compte Instagram en ce samedi 23 septembre, « Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe. Merci pour vos messages. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jean Catuf, Getty Images Sport. Just me.